Moi, je suis pas trop à travailler la terre, j'habite en ville et puis je travaille dans des domaines qui sont pas du tout liés au territoire. Par contre, le fait d'entendre parler de la permaculture et de participer au PDC, ça m'a permis de voir que tout était relié, que la question de relier les écosystèmes, de les observer et de voir toutes les coopérations qui existent dans la nature, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé par rapport à ma propre vie, par rapport à ma profession. Et je me suis rendu compte qu'en fait, actuellement, ce qui me manquait dans ma vie, c'était toute cette partie de coopération avec les uns et les autres, toute cette richesse qu'il y a autour de l'échange. Et à travers la permaculture humaine, je trouve qu'on voit vraiment comment peuvent s'articuler des actions positives qui nous sortent en fait du stress économique dans lequel on peut être, particulièrement quand on vit en ville où on est toujours dans une espèce d'insécurité, puis dans un environnement qui n'est pas toujours très favorable, où les gens sont fermés, sont assez stressés. La permaculture humaine, elle relie toutes les personnes entre elles pour faire des actions positives. Et ça, je trouve que c'est vraiment puissant. Et puis l'idée de l'autonomie et de la responsabilité de l'individu, ça me parle vraiment. En fait, dans la permaculture humaine, chaque être est responsable d'une partie du projet.